Bien bonjour à tous, c'est avec le plus grand plaisir que je vous retrouve pour ce quatrième épisode sur la map, The Mysterious Library. Et puis bon, on est parti, hein. Allez hop. Alors, j'ai été spoilé malheureusement. J'ai été spoilé terriblement. Je sais comment on ouvre cette porte. Enfin, je crois. On m'a dit que c'était là-haut, voilà, il y avait le panneau là-haut. Je suis désolé, j'ai pas lu... Butcher, tirer... Ah, voilà, plus de vaches, merci mon dieu. Donc, j'imagine qu'il faut jeter... Ok. Ah, voilà, je l'ai eu. Voilà, Secret Found. Qu'est-ce qu'avons-nous... Qu'est-ce que... Merci. Ça a été extrêmement difficile de trouver ce secret, quoi. J'ai tellement galéré. Bien. Et puis, je propose que nous ne fassions pas durer le suspense plus longtemps. Et nous allons aller voir. Bienvenue dans l'archive verte. Les documents dans cette archive sont... classés... secret, enfin, j'imagine que ça doit se traduire comme ça. Si un document dans l'archive verte est pris, enfin récupéré, alors les portes vont automatiquement se verrouiller avant qu'il ne soit retourné. Oh, putain, mais il rigole pas dans cette bibliothèque. Ah, c'est pour moi. Porte, porte, pas de porte. Oh. Waouh. Bien. Mais c'est violent ici, hein? Comment fait-on pour aller plus loin? Putain. Très bien. Donc je dois supposer que quelqu'un a volé un livre dans cette fameuse bibliothèque et que les portes se sont donc verrouillées. Mais dans ce cas, comment rendre le bouquin? Il y a peut-être un truc, un entonnoir là pour rendre les bouquins, possiblement. J'aurais essayé. Pourtant, ça a l'air d'être là. Je vois, il y a l'entonnoir ici. Ah, c'est peut-être... Ah... Ah, là. Non! Rends... Ah, putain, j'ai eu peur. Mais descends! Pourquoi la feuille va pas dedans? Pourquoi? C'est inadmissible. Je refuse. Mais c'est obligé que ce soit là. Il y a un truc à faire ici. C'est pas possible. Je peux pas le jeter par là-haut. Ça viendrait jamais dedans. Attendez, est-ce qu'on voit mieux par ici? Putain, mais c'est mon bouquin qui est là. Ok. Ce n'est pas possible. C'est peut-être pas lui, alors peut-être que c'est... Putain, qu'est-ce que j'ai fait avec le... Qu'est-ce que j'ai fait avec la page? Elle est où? Putain, j'ai perdu la page. C'est pas possible. Je l'aurais jeté. Écoutez, avant de commencer cet épisode, j'ai bien fouillé partout sur la map. Et j'ai vraiment... Enfin... À moins que je sois vraiment nul, mais j'ai trouvé nulle part ailleurs de porte à ouvrir ou je ne sais quoi, il y a qu'ici. Ah putain, ça fait chier. Pourtant, on les voit bien descendre. Il y a un bouquin en bas. Mais putain, mais je l'ai vu! Mais en fait, ils se barrent sur le côté, ces enculés. Mais en fait, c'est buggé, je crois. Normalement, quand il rentre dans l'entonnoir, ça devrait s'ouvrir.
Là, j'ai récupéré un bouquin. Écoutez, je vous jure que c'est pas du cheat. Si jamais ça marche pas, je remets tout comme c'était. Mais sérieusement, là. Regardez, le bouquin, il fait le tour, quoi. Mais il n'y a plus de place dedans. Alors là, à quoi est-ce qu'il est censé être relié ce truc? Non, ça suffit. Là, il y a un truc que je comprends pas. Ah, elle est où ma page? Ah bah, Obsidian Weaponry. Bah non, elle est allée dedans. J'ai mis... Ah... Alors ça voudrait dire qu'il faudrait mettre... On va pas regarder, on va pas tricher. Ok, je remets tout comme c'était. Ça veut dire que quelque part, on a raté une page. Je crois que... On va faire comme si c'était bon, hein. Je vais... Bon, on va la mettre bien quand même. Comment je vais sortir maintenant? C'est malin ça. Bien. Donc j'ai jeté deux pages du bouquin. Ici je referme. Ici il y avait... Je sais pas. Voilà, c'était comme ça, je dirais. Voilà. Bon. Eh bien, je jette ça, je jette ça, je jette ça. Et puis on va y partir en quête de cette nouvelle page. Là, j'ai M0. Putain, nous sommes déjà 7 minutes 32 de vidéo, quoi. Scruffy Note. Ah, peut-être que ça va nous donner un indice. Je n'arrive pas à aller dans la salle de l'archive. Et le levier pour déverrouiller la salle d'archive est dans la salle d'archive verte. Évidemment, forcément, c'est beaucoup plus pratique comme ça pour l'ouvrir. Ce système est complètement absurde pour débloquer. Ouais, le système pour débloquer les portes est complètement absurde. Je n'arrive pas à remettre les pages dans le hopper de l'archive verte. Malheureusement, la bibliothèque s'est verrouillée d'elle-même, toute seule. Je ne peux pas sortir et aller dans la Green Archive par le toit comme je l'ai fait avant. Bugger. Bien. Il faut qu'on retrouve toutes ces pages. Scruffy Note. Eh ben, lisons-la. Plus de monstres rôdés aux alentours de la bibliothèque aujourd'hui. Visiblement, ils tombent du toit de la bibliothèque, fin de l'archive verte. Il y a eu un mauvais temps dans le sud de la bibliothèque. Faut que j'arrête avec les librairies là, c'est ces enculés d'anglais à mettre des faux amis là, c'est dégueulasse. Je dois réparer le toit. Alors, pour le moment, j'ai simplement récupéré quelques documents classifiés pour activer. Oh putain, ce bâtard, c'est lui qui a volé les pages pour verrouiller. Oh voilà, putain, pour verrouiller, pour pas que les monstres rentrent dans la bibliothèque et qu'ils soient en paix. Sauf que nous, on est coincés maintenant que ça merde. Alors, l'archive verte est désormais verrouillée avant que l'on retrouve les trois documents. Quelque chose à propos de l'armurerie
Herobrine et un jus de fruits. Je les ai mis. On the second floor for now, je les ai mis. Alors, stachette, je sais pas, je suppose que ça doit vouloir dire ranger. Je les ai rangés dans le second étage. Je ferai mieux d'aller chercher ma. Enfin, d'aller vérifier ma chauve-souris. Je ne veux pas. Oh putain, il est en train de curer une chauve-souris. Ah, je ne veux pas la faire brûler. Je ne peux pas passer une autre nuit sans manger mon aile de chauve-souris. Bien. Très bien. Eh ben, je crois qu'on a quelques bibliothèques à fouiller. Hein. J'ai entendu dire par la même personne qui m'a spoilé qu'il était possible que certaines bibliothèques ne soient pas tournées dans le bon sens. Et du coup, on ne voyait pas le. On ne voyait pas le fameux livre. Putain, ce plugin là qui nous permet de lire des bouquins en anglais là, je vais le supprimer. Il y a un truc, sérieusement, il y a un truc à chercher. Dans le second floor. Ici on a déverrouillé. Alors, ben, va falloir bien chercher pour trouver ce que tu veux, un truc. Bah non, ça aurait été trop beau. Bon sang. Elle doit forcément être quelque part. Vous avez vu, j'ai lancé les deux pages. Ça veut dire qu'on a trouvé déjà deux bouquins. Il reste juste un bouquin qui est planqué quelque part. Mais alors, allez savoir où quoi. Juste une page. Il me faut une petite page. Toute délicate. Putain, j'étais jamais allé ici quoi. En plus, ça saute aux yeux. Bibliothèque, bibliothèque, bibliothèque. Oh putain, mais là, faut jouer quoi. J'ai vraiment cru qu'il y ait... J'ai vraiment cru qu'il y avait une page du bouquin ici. N'empêche, il faut vraiment bien chercher pour trouver tous les secrets sur cette foutue map. Là, j'avoue. Voilà, comme ça on aura la paix. Mais non, mais il a dit au deuxième étage. C'est le deuxième étage ici? Je pense pas. Non. Donc ça n'a rien. Les pages. Enfin. A priori, si j'ai bien compris ce qu'il a dit, il devrait pas y avoir de page ici, c'est sûr. Bon. Il est tout petit, le deuxième étage. Est-ce que j'aurais raté quelque chose par ici? Ça me stresse, j'ai envie de rentrer là-dedans. Il doit y avoir un truc que j'ai loupé. Oh, le ciel! Lumière. Bon, sensiblement, il n'y a rien à faire ici. Là-bas non plus. Putain, c'est pas possible. Ah là là. Bon, qu'est-ce que je fais? Ellipse, pas ellipse? Une excellente question. Putain. Il manque juste une seule foutue page, j'y crois. Où est-elle? En plus, il nous reste plein de portes à ouvrir encore. Plus ça va et plus je me dis que ça aurait été vraiment chouette de l'avoir fait avec Steph cette map. Je pense qu'on aurait bien rigolé. Et puis ça aurait été probablement plus facile parce que du coup on aurait été deux à chercher. J'aurais pas été le seul con à galérer.
On n'est plus au deuxième étage, mais là je commence à désespérer. La 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 la. About weaponry, ça j'ai donné, ça c'est le l'arme. Le juice j'ai trouvé, c'est le papier d'Hérobrine que j'ai paumé. Pourtant je me rappelle avoir lu un truc sur Hérobrine. Oh, je sais plus ce que j'ai perdu. Du juice. Weaponry, c'est sur Obsidian Weaponry, je crois qu'il s'appelle bouquin. Alors j'ai oublié un truc. Et il sert à quoi ce code en bas, hein? Il doit bien nous indiquer quelque chose. C'était quoi déjà? 1, 6, 9, 2. 1, 6, 9, 8. Je m'en rappelle plus. Mais je propose qu'on aille voir. Hein? Un 6, 9, 2, putain, mais vous avez vu cette mémoire de malade? Alors, un 6, 9, 2. Un 6, 9, 2. Pff, je vois même pas quel rapport ça pourrait avoir avec la bibliothèque là-haut, mais... 2. 2, c'est ici. 6, c'est là. Ils sont où? 1-2 alors, hein? Je peux savoir? Hein? Oh, je croyais les avoir pris celle-ci. Mais c'est pas possible, je les ai pris ces trucs. Qu'est-ce que j'en fais? Ah, c'est vrai qu'une fois j'ai mal fermé le... J'ai mal éteint le serveur, du coup ça a pas sauvegardé la map. C'est peut-être bien pour ça. Peut-être qu'en fait j'ai toujours eu toutes les pages, sauf que j'en ai perdu une à cause de cette fausse manip. Bon, ici, il n'y a rien ici. Rien là non plus. Bien. Ah oui, non, ça nous ramène dans les égouts. Donc on va pas aller ici. 1, 6, 9, 2. Bon, c'est pas sérieux, hein. Ah putain, quand on cache le chat, on peut plus l'utiliser du coup. Voilà qui est intéressant. Putain, je trouve encore des trucs quoi, c'est pas sérieux. Pourtant la porte est ouverte. La preuve que j'ai pas assez cherché, sensiblement. Mince, prends-moi ma torche. Putain, on peut pas récupérer les torches. Ah, très bien. Hop. Je vais juste récupérer des torches. C'est pas pour tricher, c'est juste que quand il fait vraiment sombre, ça a vraiment un côté pratique pour moi, comme pour la vidéo sur YouTube, parce que du coup, vous voyez vraiment rien. Sinon, bien. Bon, c'est là que je suis. Cette map est un vrai mystère pour moi. Comme son nom l'indique d'ailleurs. Je vais arrêter de cliquer droit avec une torche à la main. Ah putain, il faut chier. Bien.
J'ai cru que j'avais raté mon saut là, j'aurais été terriblement déçu. Je vais commencer à vraiment désespérer quand même. Là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Herobrine Research, je te dis, ça je l'avais déjà. En plus, il est là en double, donc c'est bon. Obsidian Weaponry, je l'avais trouvé. C'est celui-là que j'ai pas trouvé. Obsidian Weaponry. Putain, je me rappelle plus où je les ai trouvés, quoi. Mais je me rappelle pas les avoir trouvés dans cet étage-là. Il y a un truc que j'ai loupé, c'est pas possible, je deviens fou. Je trouverai. Je trouverai, bon Dieu. Oh, oh putain, c'est... Mais il est temps d'arrêter cette vidéo, ma foi. Je vois, 21 minutes 17. Eh bien, les amis... Je propose qu'on se laisse là. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à chercher, hein, malgré la fin de la vidéo. De toute façon, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant pour vous de voir où est-ce que je cavale comme un pauvre fou pour trouver ces foutus bouquins. Donc je chercherai hors caméra et puis début du premier épisode. J'espère trouver la solution, sinon ce serait bien embêtant. Donc voilà, et bah écoutez les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon début de journée, ou bon tout ce que vous voulez, bon cookie, bon tout, voilà. Comme ça, moi, je suis sûr de satisfaire tout le monde. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !